بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Chers élèves, nous allons consacrer cette séance à la correction des exercices donnés la dernière séance concernant la proportionnalité. Alors commençons par l'exercice 17, page 166. Alors l'exercice 17, page 166, on vous donne un ouvrier gagne 80 dirhams pour 8 heures de travail. Ce sont des données. La première question vous demande que gagne-t-il en 10 heures. Alors essayons dans ce genre d'exercices d'utiliser des tableaux où il y a des situations de proportionnalité. Alors on vous demande que gagne-t-il en 10 heures. C'est-à-dire le salaire de cet ouvrier pour 10 heures de travail. On va noter ce salaire par la lettre X inconnue, soit X le salaire de l'ouvrier pour 10 heures de travail. Alors, dans le tableau, la première ligne, je vais écrire le nombre d'heures de travail. La deuxième ligne, le salaire de l'ouvrier en dirhams. Alors, pour donner, qu'est-ce qu'on a comme données? On a 8 heures de travail. Si l'ouvrier travaille 8 heures, il va gagner 80 dirhams. Alors, si il travaille 10 heures, quel sera son salaire, c'est-à-dire X? On a des nombres proportionnels. 8 et 10 sont proportionnels, 80 et X. Alors, si on a cette situation de proportionnalité, donc qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je peux trouver que 80 sur 8 égale à X sur 10, ou bien 8 sur 80 égale à 10 sur X. Et qu'est-ce qu'on va trouver ici? On trouve une égalité où on a l'inconnu X. Il faut chercher ce nombre X. Comment faire maintenant? Oui, on peut utiliser le produit en croix. Je peux faire maintenant le produit en croix, ou bien je remarque qu'on peut simplifier ce rapport 8 sur 80. On peut simplifier par 8, ça nous donne 1 sur 10. 8 divisé par 8, 1. 80 divisé par 8, ça donne 10, égale 10 sur X. Par suite, il faut chercher le nombre X en faisant le produit en croix. 1 fois X, ça nous donne X. Et 10 fois 10, ça nous donne 100. Par suite, X égale 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Que signifie ce 100? C'est le salaire de l'ouvrier pour 10 heures de travail. D'où le salaire de l'ouvrier pour 10 heures de travail et 100 dirhams. Voilà la première question. Alors, corrigez la première question pour passer à la deuxième question. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question vous demande: pour gagner 720 dirhams, combien d'heures doit-il travailler? Alors, même chose, on va utiliser un tableau de proportionnalité pour faciliter la tâche. Alors, on va représenter, bien, on va noter Y, le nombre d'heures que doit travailler l'ouvrier pour gagner 720 dirhams. Soit Y, le nombre d'heures que doit travailler l'ouvrier pour gagner 720 dirhams. Même chose, la première ligne, on va noter le nombre d'heures de travail. Deuxième ligne, le salaire en dirhams. On va prendre les mêmes données. Il a travaillé 8 heures, il a gagné 80 dirhams. Alors, on va chercher le nombre d'heures, c'est-à-dire Y, pour gagner 720 dirhams. Alors, si on a ce tableau de proportionnalité, donc, je peux trouver 8 sur 80,
égale à y sur 720. Ou bien 80 sur 8 égale à 720 sur y. Comment on va trouver ce y? On peut utiliser le produit en croix. Avant d'utiliser le produit en croix, je peux simplifier ce rapport pour faciliter le calcul. Je peux simplifier par 8, je vais trouver 1 sur 10. On simplifie 8 et 80, on divise 8 et 80 par le même nombre qui est 8, égale à y sur 720. Alors maintenant, on peut utiliser le produit en croix, c'est-à-dire y fois 10 par suite. Y fois 10, ça nous donne 10y, égale à 1 fois 720, égale à 720. D'où y égale à 720 sur 10. Je simplifie, je trouve 72. Alors, que signifie ce 72? C'est le nombre d'heures que doit travailler l'ouvrier pour gagner 720, c'est-à-dire le nombre d'heures que doit travailler l'ouvrier pour gagner 720 dirhams et 72 heures. Alors ici, on a bien justifié et on a répondu à la question. Corrigé et on passe au deuxième exercice. Corrigeons ensemble maintenant l'exercice 17, page 166. Je lis l'exercice. Un crémier achète 2000 œufs et 1,5% des œufs se cassent pendant le transport. Combien reste-t-il d'œufs à ce crémier? Alors d'abord, que signifie 1,5% des œufs se cassent pendant le transport? C'est un pourcentage, c'est-à-dire parmi 100 œufs, il y a 1,5 d'œufs qui se cassent. C'est le pourcentage. Alors, ce crémier a acheté 2000 œufs. Donc, le nombre d'œufs est 2000. Alors, ce 2000 correspond à quel pourcentage? Il correspond à 100%. C'est-à-dire la somme des œufs achetés par ce crémier. Alors, on a noté X, le nombre d'œufs cassés. C'est ça ce qu'il faut chercher. Alors, on va chercher ce X, c'est-à-dire le nombre d'œufs. Quel est le pourcentage d'œufs cassés? C'est 1,5%. Dans la première ligne, on a écrit le nombre d'œufs. La deuxième ligne, on a écrit le pourcentage. Je répète, 2000 œufs, ça correspond à 100%, c'est-à-dire la somme des œufs. X, c'est le nombre des œufs cassés, ça correspond à 1,5%. Donc, on a une proportionnalité. On a des nombres qui sont proportionnels. Alors, d'après ce tableau de proportionnalité, je peux trouver que ce 2000 divisé par 100 égale à x sur 1,5. Ces nombres sont proportionnels à ces deux nombres. Alors maintenant, il faut essayer de chercher ce nombre x. On peut faire la même chose ici, le produit en croix. Avant de faire le produit en croix, je peux simplifier. 2000 par 100, ça nous donne 20. Je divise par 100, qui est égal à x sur 1,5. Et on peut écrire maintenant, ou bien on peut utiliser le produit en croix. Par suite, le nombre x égale à 20 fois 1,5. On a fait le produit en croix, puisque ce 20, c'est 20 sur 1. X fois 1, ça nous donne x. 20 fois 1,5. Alors, je calcule x égale 20 fois 1,5, ça nous donne 30. D'où le nombre d'œufs cassés est 30 œufs. D'où le nombre d'œufs cassés est 30.
corrigeons maintenant ensemble l'exercice 8, page 164. Alors, je lis l'exercice. Un père a partagé la somme de 1500 dirhams entre ses deux fils proportionnellement à leur âge. Le premier a 12 ans et a eu 600 dirhams. Quel est l'âge du deuxième fils? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut chercher au départ? Il faut chercher d'abord la somme d'argent donnée par le père au deuxième fils. Comment on va trouver cette somme? On va faire la différence de la somme 1500 dirhams moins 600 dirhams donnée au premier enfant. Alors, on va chercher d'abord la somme d'argent donnée par le père au deuxième fils. Quelle est cette somme? C'est 1500 moins, c'est-à-dire la somme générale, 1500 dirhams, moins 600 dirhams. L'argent, 600 dirhams, donné au premier fils. Ça vous donne 900 dirhams. Alors, même chose, essayons d'utiliser le tableau de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'âge du deuxième fils. On note, par exemple, soit Z, l'âge du deuxième fils. Alors, en utilisant le tableau de proportionnalité, la première ligne, on note la somme d'argent. La deuxième ligne, on note l'âge, puisque on nous donne que ce père a partagé la somme de 1500 dirhams entre ses deux fils proportionnellement à leur âge. Ce mot proportionnel est très important. Proportionnellement, mutanasib, à leur âge. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire dans le tableau? Ce 600 dirhams a été consacré au premier fils. Le premier fils a 12 ans. Ce sont des données. Alors, la somme d'argent consacré au deuxième fils, c'est 900 dirhams. Alors, ça correspond au deuxième fils, qui est l'âge, on a noté l'âge du deuxième fils, c'est Z. Voilà le tableau de proportionnalité, puisque ces nombres 600 et 900 sont proportionnels à 12 et Z, je peux trouver l'égalité 600 sur 12 égale 900 sur Z, ou bien 12 sur 600 égale à Z sur 900. Alors maintenant, il faut chercher ce nombre Z. Alors comment on va faire? Essayons d'abord de simplifier ce rapport avant de faire le produit en croix. Alors si je divise 600 par 12, 600 est un multiple de 12, je vais trouver 50. Ensuite, 50 égale à 900 sur Z. D'où, je peux faire maintenant le produit en croix. 50 fois Z, ça donne 50 fois Z égale 900 fois 1, puisque 50, c'est 50 sur 1. 900 fois 1, ça nous donne 900. Je trouve maintenant Z égale 900 divisé par 50. Et je calcule 900 sur 50, je divise. Que signifie ce 18? C'est l'âge du deuxième fils, c'est-à-dire l'âge du deuxième fils est 18 ans. Alors, corrigez cet exercice. Attention, il y a une remarque ici importante. Qu'on a dit le premier fils ou bien le deuxième fils, ce n'est pas l'ordre, c'est-à-dire le premier fils et le deuxième fils. C'est-à-dire, il a deux fils. Un fils a 12 ans et l'autre fils
à 18 ans. On n'a pas ici l'ordre. Passons maintenant à la correction de l'exercice 26, page 166. On vous demande de montrer que les points E de coordonnées 56-350, c'est-à-dire E a pour abscisse 56 et pour ordonnée 350. Et le point F a pour coordonnées 24-150, c'est-à-dire l'abscisse est 24 et l'ordonnée est 150, sont alignés avec l'origine du repère. Alors, comment montrons ces points sont alignés avec l'origine du repère? Avant de corriger cet exercice, je vous prie de prendre la page 160 sur vos manuels pour bien assimiler cet exercice. On va prendre l'exemple qui se trouve sur la page 160. Suivez bien l'exemple, on a ici un tableau de proportionnalité. Un litre de lait vaut 7 dirhams. 3 litres de lait vaut 21 dirhams, etc. Alors, si on a ce tableau, est un tableau de proportionnalité, ça signifie que 1 sur 7 égale à 3 sur 21, qui est égal à 5 sur 35, égale à 6 sur 42. Ou bien 7 sur 1 égale à 21 sur 3, égale à 35 sur 5, égale à 42 sur 6. On a une égalité. Regardez la représentation graphique. La représentation graphique, on a ici 1, l'abscisse, et l'ordonnée est 7. L'abscisse 3 et l'ordonnée 21. Et on a ces points sont alignés avec l'origine du repère. L'origine du repère O, qui a pour coordonnées 0, 0. Les points qui sont alignés. Alors, pour montrer que ces points alignés, je peux montrer que 1 sur 7 égale à 3 sur 21. Et si le point a pour coordonnées 1, 7. Et ce point a pour coordonnées 3, 21. C'est-à-dire, je peux montrer que 1 sur 7 égale à 3 sur 21. Alors, revenons à l'exercice. Comment on va montrer que ces deux points sont alignés? Je peux chercher, est-ce que le rapport 56 sur 350 égale au rapport 24 sur 150? Alors, pour trouver cette égalité, on a deux méthodes. Soit je calcule ce rapport, je peux simplifier, je simplifie ce rapport et on va trouver une égalité. Ou bien je peux calculer au départ 56 fois 150 et 24 fois 350. Si je trouve l'égalité, ça signifie que ces deux rapports sont égaux. Par suite, les deux points sont alignés avec l'origine du repère. Alors on va essayer de prendre les deux méthodes. On va prendre le premier rapport, on a le rapport 56 sur 350. Je peux simplifier ces deux nombres par le même nombre, un diviseur commun. Je peux diviser ces deux nombres par le nombre 14. Si je divise 56 par 14, je vais trouver 4. 350 divisé par 4, je trouve 25. Même chose, je prends le deuxième rapport, 24 sur 150. Je peux simplifier 24 et 150 par le même nombre. Quel est ce nombre? Je peux diviser par le nombre 6. 6 est un diviseur commun de 24 et 150. Si je divise 24 par 6, je trouve 4. Et 150 par 6, je trouve 25. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le même nombre, c'est-à-dire ces deux rapports sont égaux. Donc, 56 sur 350 égale à 24 sur 150. Par suite, les nombres 56 et 24 sont proportionnels. En nombre 350 et
150. D'où les points E d'abscisse 56 d'ordonnée 350 et le point F d'abscisse 24 et d'ordonnée 150 sont alignés avec l'origine du repère. Voilà. Deuxième méthode. Alors, on a dit que pour trouver que ces points alignés, il faut trouver 56 sur 350 égale à 24 sur 150. Pour trouver ces deux rapports sont égaux, on peut chercher le produit 56 que multiplie par 150 et le produit 24 que multiplie 350. Si je fais ce produit, il faut trouver ce même produit pour trouver ces deux rapports qui sont égaux. Alors, si je fais le produit 56 fois 150, je vais trouver 8400. 24 que multiplie 350, je vais trouver 8400. Donc, le produit 56 que multiplie 150 égale à 24 que multiplie 350. D'où, si je divise 56 par 350, je trouve 24 sur 150. Par suite, les nombres 56 et 24 sont proportionnels au nombre 350 et 150, d'où les points E et F sont alignés avec l'origine du repère. Vous pouvez noter cette deuxième méthode. Cette séance est terminée. Je vous revois la prochaine fois, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah.